L'industrie du thé sera sauvée. Le ministre du Commerce, de l'Entreprise et des Coopératives, Sunil Bola, a visité les champs de thé à Nouvelle-France et a annoncé un plan d'aide. L'occasion pour lui de visiter la Chartreuse. Aujourd'hui, nous pouvons être ici dans les autres marchés qui sont capables encore d'exporter. Donc, l'avenir dans l'industrie théière est toujours là, malgré les contraintes comme manque de main-d'œuvre, le coût des fertilisants. Mais malgré tout ça, nous trouvons qu'il y a encore dans l'avenir et nous avons besoin de tout le soutien possible pour que ça, l'aventure continue. Ajouine Bokori, Managing Director de la Chartreuse, salue l'initiative du gouvernement de s'intéresser à ce secteur. Depuis le début de l'année, dit-il, la Chine porte un intérêt croissant au thé mauricien. Consommateurs en Chine, je peux shifter le bon boisson qui est correct pour la consommation, qui est bon pour la consommation. Donc, moi, je pense que le marché chinois, c'est un marché vraiment émergent et qui est vraiment, vraiment bien pour taper ça. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel vu qu'il est un gros marché. Des rencontres régulières auront lieu entre les représentants du ministère du Commerce et de l'Entreprise et des Coopératives et les différents partenaires de l'industrie théière afin d'assurer la pérennité de ce secteur.